Ils avaient tous les deux leur entreprise, tous les deux une solide expérience dans l'audiovisuel et la communication, et ils avaient envie de franchir une nouvelle étape. Ils ont associé leurs compétences pour créer le premier pôle de production audiovisuelle privée dans la région. À deux, c'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3. Là, c'est clair. Dis donc, Jean-Claude Van Damme, là. C'était pas mal, ça, comme réflexion. Le bébé s'appelle Cooks Production et il bénéficie de toute l'expérience de ses deux parents. Moi, je suis plus dans la réalisation réalisateur, on va dire, et Julien est plus dans l'événementiel. Mais c'est vraiment résumé parce que depuis, les choses sont mariées, quoi. Moi, j'ai eu l'expérience de faire du film d'entreprise avec ce que j'ai appris sur le tas, etc. Et l'événementiel. Et par contre, sur tout ce qui est un peu plus grosse production avec des vraies mises en valeur de compétences, là, pour le coup, Thierry a vraiment apporté ce point de vue-là. De gros clients comme Le Grand, Christophe, Le Bernardo, Smuggler et plusieurs collectivités locales ont déjà confié leur communication audiovisuelle à la jeune entreprise. Cooks réalise près de 80 productions par an et vient d'investir dans l'achat d'un drone pour réaliser des prises de vue aériennes. Sur le site d'Esther, le nouveau bâtiment de l'entreprise sera bientôt terminé. Son studio photo et vidéo de 150 mètres carrés sera l'un des plus grands dans le sud-ouest de la France. Ça permet d'obtenir des marchés qu'on ne pouvait pas faire avant, ou alors c'était compliqué parce que, par exemple, louer un studio, ça voulait dire monter sur Paris, ça voulait dire déplacer une équipe de tournage, etc. Là, c'est plus le contraire qui va se passer, c'est que des équipes parisiennes, on va les faire descendre à Limoges parce que ça coûte moins cher de vivre ici pendant une semaine qu'une semaine de tournage là-haut. Donc là, pour le coup, on est en train d'inverser un peu la tendance. Dès le mois de juillet, la société Pixin, spécialisée dans le web design et l'animation 3D, rejoindra Cooks dans ses nouveaux locaux pour regrouper en un seul lieu toutes les compétences liées au métier de l'audiovisuel.